Bonjour, Lila Riouri, sophrologue généraliste, naturopathe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sophrologie et de comment devenir sophrologue. Devenir sophrologue, c'est une philosophie de vie, c'est un art de vivre. On ne devient pas sophrologue du jour au lendemain. Chaque personne, chaque être, à partir de 18 ans bien sûr, peut devenir sophrologue. En francophone et en France, les écoles de sophrologie connaissent une grande popularité. La sophrologie est un cursus, est une formation qui est ouverte à toute personne. Les écoles nous permettent de pouvoir faire des cours sur place ou à distance. Il y a plusieurs cursus, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est pour cela qu'il y a les sophrologues, les relaxologues et les sophrologues généralistes. Donc moi, je suis sophrologue généraliste, j'ai une formation de plus de 4 ans. La formation de sophrologue se compose en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. On retrouve plusieurs écoles de sophrologie à Paris, entre autres, spécialisées pour les médecins, pour les anesthésistes des hôpitaux. La sophrologie n'est plus ouverte qu'à des personnes indépendantes qui souhaitaient compléter leur formation de psychologue ou de médecin. La sophrologie est ouverte à toute personne désireuse de vouloir accompagner, aider les personnes sur leur chemin, dans leur vie de tous les jours.